Anna, la dysmorphréa. Il y a un autre cadreur juste derrière moi, et bien sûr, Kevin. Oui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une après-midi de dingue. Sur Gulli, on va recevoir Maud qui va nous chanter son nouveau titre, Cool. Et il y a plein de gens super cool aussi sur ce plateau. On a... Oh là là. Mais n'importe quoi. Et ici... Oh là... Et il y aura aussi Ethan pour sa rubrique Les yeux du net. Ok, et plus sérieusement, on va jouer. Et avec qui on va jouer? Avec Gaëlle. Ah non, c'est Super Nana. Avec Gaëlle. Gaëlle, oui. Moi aujourd'hui, je suis totalement zen. Mais non, c'est pas vrai, je suis pas folle. Alors, si vous voulez venir faire les fous et jouer avec nous, vous vous inscrivez au www.gulive.fr. Et pour nous laisser les messages, les petites blagounettes, vous posez vos questions à Starkine sur le plateau ou vous m'appelez au 01 46 94 92 39. Cindy, quelque chose me dit que tu es la vedette du total délire qu'on va lancer. Mais attention, la vedette masculine. Oui, c'est parce qu'en fait, un jour, je me suis fait piquer par une araignée et après, je sais pas ce qui s'est passé. Je pouvais lancer des toiles d'araignée comme ça et je suis devenue Spider-Man. Oui, enfin, un peu moins bien. Hein. On vérifie ça maintenant. Bon, Spider-Man, si je t'ai convoqué ici aujourd'hui, c'est tout d'abord pour te féliciter d'avoir arrêté Mr. Freeze. Depuis, on l'a coffré, on l'a mis dans le congélateur juste là. Je me vengerai. Ah bon, au moins, il risque pas d'avoir chaud. Hein. Ouais. Bon, le problème, c'est que maintenant, t'as arrêté tous les méchants de New York. Mais moi, j'ai envie de t'envoyer à Gotham City pour en arrêter d'autres. Mais attendez, là, c'est pas Batman qui est censé s'occuper de cette ville? Si, mais Batman est en vacances. Le Batman est heureux. Ah ouais, je vois. Et le méchant qui sème la zizanie dans tout Gotham, c'est... le lapin crétin. Un lapin? Faut que j'arrête un lapin. Trop facile. Ah! Alors le lapin, on terrorise la ville? Attention, je vais m'occuper de toi. Bah, qu'est-ce que tu dis? Tu fais le malin? Eh bah, fais attention, parce que moi, je peux t'envoyer des toiles d'araignée à l'aide de mes mains! Hein? À l'aide de mes mains! Mais... Ah ouais? Tu m'as cherché? Eh ben attention, parce que maintenant, je vais te terrasser. J'ai trop peur des araignées. J'ai quand même appelé Spider-Man pour savoir où il en est. N'importe quoi. Voilà, les lapins crétins, quoi. Sur Spider-Man, quoi. C'est ça. Et Gaëlle, tu me refais le lapin crétin un peu? Bon, bref, retrouvons un peu de glamour dans l'émission, oui, avec l'invitée suivante. Elle a été sacrée révélation francophone de l'année. Mm-hmm. On l'adore, elle vient nous chanter son nouveau tube. C'est Maud. Maud. Ce qu'il vous faut.
suis mode, la girl les autres. J'traîne toujours au carré d'or. Ils ne cessent de me juger, de pointer mes erreurs. Non, non. Mais peuvent-ils se mentir mieux, peut-être se croient-ils meilleurs. Au moins je sais que j'ai ce qu'il me faut. I got what you need. J'adore ton son, en tout cas. Merci, franchement, ça sent le soleil et tout, ça met trop la pêche. Merci. On adore. Et alors, justement, t'as quand même été un peu le tube de l'été l'année dernière avec Love Make You Feel. Love... Je suis très nulle en anglais. Non, mais je t'assure, personne n'a jamais réussi à prononcer ce titre. Love is what you make of it. On peut dire love, c'est bien. Love is what you make of it. L'amour est ce que tu en fais. L'amour, ce que tu en fais. D'accord. Exactement. Ça a été quand même le tube de l'été l'année dernière. Moi, je l'ai écouté en boucle. Bien marché, c'est vrai. Est-ce que tu as un petit espoir pour celui-ci ? Moi, j'y crois, mais qu'il soit le prochain tube de l'été ? J'espère. Oui. J'espère. En tout cas, je trouve qu'il est, il est frais. Ouais. Voilà, il est catchy et j'espère qu'il plaira tout autant. Oh, il plaît déjà. Alors, le premier titre était en anglais. Oui. Là, ce futur tube de l'été, c'est en franglais. Ça veut non, dire que le prochain tube encore, ce sera en français. Je sais pas. Je sais pas, là on vient de finir l'enregistrement de l'album et il y a de tout. Il y a d'autres titres qui sont tout en anglais. Il y a du chinois ? Non, il y a de tout, ouais. Entendons-nous bien. Français, anglais. Moi j'adore chanter anglais, mais j'aime mon pays aussi et j'aime chanter français. Donc les deux, ça me va. Puis ça, ça swing quoi en anglais. Ça swing en anglais, c'est vrai. Alors, toutes tes chansons sont pleines d'optimisme. Est-ce que c'est quelque chose, c'est ta force de caractère, c'est ta signature l'optimisme ? C'est vrai que dans la vie, je suis quelqu'un de positif et j'aime plutôt voir les choses... du bon côté. Et je pense que c'est une philosophie de vie. Après voilà, on aura l'occasion de découvrir d'autres facettes. Je suis pas que nanana. Il y en a une autre qui a cette philosophie de vie, c'est notre Gaëlle nationale. C'est clair, dès qu'on peut s'amuser, sauter, rigoler, danser, moi je suis pour hein. Alors j'ai une première question de Camilla qui a 7 ans et qui vient de Clermont-Ferrand et qui dit: coucou le Gulive, ta musique donne la pêche, un conseil pour rester toujours au top? Ben, en tout cas merci Camilla pour le compliment, ça me fait très plaisir. Un conseil pour rester au top? Alors moi il y a une phrase que je dis souvent, c'est un proverbe qui dit: souris et le bonheur viendra après. Donc je pense que si déjà on se lève le matin avec le sourire et en se disant que ça va aller, voilà. Je suis très très d'accord avec cette citation. Ouais. C'est vrai. J'adore. C'est une belle citation. Ouais. Ton premier tube, il a été enregistré à New York. Oui, à New York. Ouais. Celui-ci, il a été enregistré à Sydney, en Australie, en tout cas. Alors, le clip a été tourné à Sydney. Le clip a été tourné et je l'ai enregistré à Los Angeles. D'accord. Ouais. Ah oui, Los Angeles. Et donc le prochain, ce sera où l'album, tu l'as enregistré L'album, il s'est fait entre les États-Unis et la France. D'accord. Gaëlle, une nouvelle question ? Oui. Alors, j'ai Enzo qui a 9 ans et qui habite à Chilly-Mazarin. Qui dit: salut tout le monde. Salut Enzo. Comment vis-tu ta célébrité depuis ton premier single ? Enzo, c'est une super question.
Et c'est vrai que ça a été très vite et très fulgurant. Donc ma vie a complètement changé. Et au niveau de la médiatisation, j'aime plus dire ça que la célébrité. Hein. Je suis pas encore une star. Mais ça a des bons côtés. C'est-à-dire que c'est toujours agréable que les gens connaissent ta musique et quand ils viennent pour te dire des gentilles choses. Après, c'est vrai que je trouve ça étrange. Disons que je préfère en rire. Voilà, je prends tout avec beaucoup de recul et puis ça m'amuse, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant que tu arrives à faire de ta passion ta vie, ton métier, est-ce que tu as un nouveau rêve ? C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui ? Pour moi, c'est encore un rêve que je peux explorer de plein de manières. Le mien, pour l'instant, c'est mon rêve. Je commence vraiment à le vivre. Et je pense que je peux l'emmener mais tellement plus loin. Et après, oui, effectivement, la vie est belle. Il y a toujours plein de choses à faire et à découvrir. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres. Pour l'instant, je garde le même, je l'aime bien. Ouais, c'est vrai. Alors Gaëlle, est-ce que tu as une dernière question ? Bien sûr, j'ai une question de Nadia qui a 10 ans, qui habite à Lyon et qui dit « Hello Maud, qui t'inspire ton style aussi cool ?» Ah. Hello Nadia, merci pour le petit compliment au passage. Ouais. Je m'inspire un peu de tout ce que je vois dans les magazines et comme tout le monde quoi. L'inspiration est partout. Ah, c'est vrai. Ça a été un très joli moment qu'on a passé avec toi. On aime beaucoup ton titre qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légales, bien évidemment. Et tu seras la bienvenue dans le Q-Live quand tu veux. Avec plaisir, je reviendrai. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, on retrouve Ethan avec les yeux du net. Coucou Ethan. Salut tout le monde. Salut. Alors, Ethan, j'ai vu votre total délire et ça m'a donné beaucoup d'idées. Alors regarde Cindy, à partir de maintenant, je vais voler jusqu'à toi. Non. Oh là là. Alors, tu vas retravailler ça encore un petit peu, d'accord? Je reviens. Il a perdu de sa superbe, Superman. Hein, fracture de Lego, là. Hey, bon, vous le savez, je suis là pour vous présenter mon top 3 des meilleures vidéos. Et en troisième position cette semaine, j'ai trouvé un homme qui est vraiment capable de voler. Hein. Je vous jure, lui, il vole mieux que moi. Hein. Ah ouais? Allez, regardez. C'est Avion Man. Mais je l'ai fait ça aussi, mais sans leur matériel. C'est incroyable. C'est classe. Ah non, j'adore. T'aurais peur, toi, Ethan, dessus? Moi, non, pas du tout. Moi, je suis un boss, hein, vous savez. Bien sûr. Moi, je peux dire que je serais pas rassuré. Hein. Ah, on aimerait bien essayer. Hein. Ce sont des professionnels, évidemment, hein, qui réalisent ça. C'est trop bien. C'est super, hein, franchement, je sais pas faire ça, mais bientôt, vous allez voir. Bon, vous le savez, moi, j'adore les animaux. Et je ne pouvais pas vous parler de chat sans vous parler de Marou. Ah oui. Marou le chat, hein, pas Marou de secours. Alors, et oui, ce chat compatibilise à lui tout seul des millions de vues sur le net. Et je vous laisse regarder. Ok. Oh, c'est trop super. Hop là. Je l'aurai. Oh non, j'adore. Ses propriétaires le filment pratiquement chaque jour. Et la particularité de ce chat, vous allez le voir, c'est qu'il adore les boîtes vides. Il ne peut pas s'empêcher de sauter dedans. Oh. Il adore la squash aussi, apparemment. Cette musique est improbable. Et hop là. Hop là. Il se range tout seul dans sa boîte. Hop là. C'est trop chou. Il est trop mignon, hein. Yes. Bien. Bah, figurez-vous que j'ai le même chez moi. Oh, la chance. Bon, on passe à la suite en number one de ce classement. J'ai trouvé un truc incroyable sur Internet. Une bataille géante de polochons. Oh. Vous allez voir, c'est hyper marrant et surtout hyper sympa. Et en plus, il y en a une de programmée chaque année dans les grandes villes. Allez regarder. Trop bien. Yes. Il a un drôle de chapeau, dis donc. Ouais. Oh là, lui, il a un drôle de nez. Un cheval. En même temps, si tu vois ça arriver, tu te dis qu'il y a Anguille sous roche. Je peux te dire que le jour où je fais une bataille de polochon avec un cheval, oui, c'est clair. Ah, regardez, il y a Kevin qui essaie de se défendre. C'est dingue, non? Oui. Yes. Bah tiens, d'ailleurs, ça m'a donné quelques idées. À l'attaque, les amis. C'est un peu le bazar dans le Q-Live. C'est pour ça que vous nous aimez, c'est pas grave. Merci beaucoup, Ethan. Gaël, on va jouer avec qui on joue? Ouais, alors aujourd'hui on va jouer avec mon pote Fares qui a 10 ans et qui vient de Saint-Ouen. Salut Fares! Ça va, moi
super bien, ouais. Je suis trop contente d'être avec vous. Ouh. Et je vais tout péter aujourd'hui. Là, on est d'accord. Fares, t'es en quelle classe? Je suis en CM2. T'es en CM2. Fares, toi, tu dois aimer le sport. Hein. Ah ouais, je joue au foot. Au foot, ouais. Super. C'est qui ton joueur préféré? Benzema. Ouais, Karim Benzema. Karim. Écoute, comme je sais que tu es au taquet, tu as mérité de jouer au Tartaquiz. Oui, Tartaquiz. Tartaquiz, oui, mais c'est le Tartaquiz. Mais c'est le Tartaquiz, oui, c'est le Tartaquiz. Des tartes, des quiz, oui, mais c'est le Tartaquiz. Mais c'est le Tartaquiz, Tartaquiz, Tartaquiz. Yeah, yeah. Alors, les règles du Tartaquiz, mon pote, tu vas voir, c'est très simple. Tu as 1 minute 30 pour aller au bout d'une chaîne de 7 questions. Pour continuer la chaîne, soit tu donnes une bonne réponse, ou soit si tu ne connais pas la réponse, ou si tu donnes une mauvaise réponse, tu dois trouver très vite quelqu'un pour l'entarter. Ouais, okay, ouais. Alors maintenant, on va te demander de choisir entre Cindy et son cadreur Vincent, ou moi et Thibaut. Qui choisis-tu? Cindy. Oui. C'est donc moi qui ai la lourde tâche de te poser les questions. Alors je vais te demander si tu es concentré. Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es prêt? Oui. Tu as la patate? Regarde ses yeux de winner. Tu es prêt à faire courir Cindy partout dans le studio? Oui. Ok. Alors, est-ce que Cindy est prête? Ah oui, je suis prête. Je n'attends qu'une chose, c'est d'entarter les gens. Eh ben, on peut lancer un petit décompte dans ce cas-là. 3, 2, 1. C'est parti. Bonne chance, Fares. Dans la légende de Shima, comment s'appelle le futur roi de la noble tribu Lion? Est-ce que c'est Oscar ou Laval? Laval. Bonne réponse. Ouais, bravo. Dans Atomic Betty, comment s'appelle le petit robot qui aide notre héros dans ses missions? X5 ou R2-D2? X5. Bonne réponse. Ouais, bravo, on continue. Dans Power Rangers, quel est le nom du Power Ranger rouge? Est-ce que c'est Jaden ou Eric? Eric. Mauvaise réponse. Ah, attention. Salut. On continue. Attention, reste concentré. Dans Mes parrains sont magiques, de quelle couleur sont les yeux de Timmy? Noir ou bleu? Bleu. Bonne réponse. Ouais, bravo. Dans Magique, le père de Tom est un ogre ou une fée? Un ogre. Bonne réponse. Bien joué, Fares. Dans Kobushi, qui est Neko? Est-ce que c'est le méchant rat ou le méchant chat? Le méchant chat. Bonne réponse. Ouais, wouh. Dans Littlest Pet Shop, quel pet shop se prend pour une diva? Zoé ou Mathilde? Mathilde. Mauvaise réponse. Oh, Mathilde. Oh, Tartal. J'adore ce jeu. C'est le jeu diabolique. Et nous sommes arrivés et au bout de la chaîne. C'est gagné. Bravo, Fares. Wouh. Eh, les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Nous t'offrons le stylo Gulli. Le sac Gulli. Nous t'offrons la gourde Gulli. Yes. Je t'offre un mouchoir avec de la mousse parapée dessus. On t'offre également des figurines de la légende de Shima et de Scan to Go. De série Gulli. Pour les horaires, ça se passe sur gulli.fr. Tu as également gagné, regarde. La tablette Gulli. La tablette Gulli. Et tu as également gagné, regarde, la box créative Gulli. C'est super. Est-ce que t'es content? What, super. Et ben nous aussi, bravo, on est content parce que t'as tout gagné. On t'adore. Yes. Bravo, Fares. Bien joué. T'étais au top. T'étais marrant. T'étais motivé. Ah, t'étais motivé. C'est ça qu'on adore. Alors bien joué, Fares. Alors si vous voulez venir essayer de vous faire entarter, d'entarter les autres, il n'y a pas de problème. Vous vous inscrivez au www.gulive.fr et vous venez jouer avec nous. Et pour pouvoir laisser des messages sur la Gulive ou encore poser des questions aux stars qui viennent sur le plateau, 01 46 94 92 39. Et je sens qu'il y a de la mousse à raser pas loin qui va arriver. Non. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Gulive exceptionnel. Semaine prochaine, on sera avec des gens qui sont blancs comme moi et Cindy. On sera avec les Voca People, vous allez voir, ils sont incroyables. Ça va être trop bien, alors on vous dit à la semaine prochaine et on vous embrasse. Ça va se laver maintenant. Faut qu'on aille se laver. C'est parti. Salut à tous.